Bah. C'est la nôtre aussi. Voilà, je sais pas, il y a l'hôtel de puissance, là, le truc que je vois tout en haut, là, entre des esprits. Tout en haut de la map, Dragrimmar, truc. Apparemment, c'est sous combat, mais c'est encore sous notre contrôle. Et si on essayait d'aller empêcher qu'ils la prennent? Pourquoi pas? On est dans la mauvaise direction. Ah, c'est con parce que hier soir j'étais avec un groupe, apparemment c'est mais des gamers PVP habitués quoi si tu veux. Ils étaient sous Mumble machin et compagnie, donc j'ai coopéré avec eux en les suivant tout ça. Bon, j'étais pas en vocal évidemment avec eux. D'accord. Mais c'était sympa, on a plutôt bien remonté la situation parce que tu vois hier soir on était dans cette situation là. Et ce matin, en grande partie grâce à eux, hein, on avait repris quasiment toute notre zone sous notre contrôle quoi. T'as geeké le soir, t'as geeké la nuit pour reprendre une zone? Bon, j'ai joué un petit peu, j'ai joué jusqu'à 11h hier, je crois. Ok. Bah, le temps de prendre les repères, de comprendre où on avait ces fichus points de ravitaillement. Parce que, mine de rien, c'est important. Là, par exemple, je crois qu'on a un camp de ravitaillement, mais qui est sous contrôle vert. Et qui est pété de joueurs, donc vaut mieux qu'on ne se fasse pas remarquer. Ouais, on a dit on se fait pas remarquer, c'est-à-dire faut pas faire des roulades en faisant des explosions. Attends, je me fais pas remarquer. Passe-t'en ! Et Golgotha, arrête ça tout de suite. Oh non, c'est naturel. Ouh, mais moi, si j'ai 10 000 points dans les dents, ça fait super mal. C'est quoi, c'est long d'œuf ? Oh non, mais je suis passé de 10 000 points de vie à zéro en une seconde. J'ai même pas compris ce que c'était. Je survis, je survis. Bah. Du coup, ils ont pas l'air de s'intéresser à moi, je vais peut-être pouvoir. Quoi ? J'adore. Levez la main. Je me demande pourquoi les grands héros de la... Enfin, les grands héros ont pas, quand ils étaient à terre, ils ont pas levé la main et la tourné pour survivre. Oui, bah oui. C'est étonnant quand même, hein. On se demande pourquoi ils l'ont jamais fait. Là, vous avez survécu. Et Wion qui nous dit sur le chat pour une fois que les verts accèdent au pouvoir. Bien vu, bien vu. Non, a priori, il n'y aura pas de rang. Attends, je vais écrire, hein, parce que... Voilà, c'est comme ça pose une question en anglais, que je suis pas foutu de répondre à l'oral en anglais. Vous êtes mort aussi ? Ah bah non. Oui. Ah d'accord, vous êtes retourné au point de... Ah d'accord, parce qu'il y en avait un. Au point d'origine, parce que moi du coup, moi j'attendais, moi je me disais, ils sont derrière, ils vont me rester, ouais, donc moi j'étais toujours par terre depuis tout à l'heure avec l'écran de mort. Ah d'accord. Alors où est-ce qu'ils sont? Ah bah vous êtes en route vers ma position, je suis resté par terre. Ok. Bah, d'autant qu'il y en a d'autres qui me restent. Je sais pas si quand, parce que j'ai pas encore testé, mais c'est quand on est plus attaqué. Ah non. Ou quand on a... De quoi ? Comment dire ça ? Quand on a le revenir au point de passage ou quand on ne peut plus, ou quand on a encore combattu pour survivre, qu'on perd notre. Oui, bah en fait, quand tu perds le reste de ta vie, en fait, que t'es vraiment mort, quoi. Oui, oui. D'accord. Mais quand pas. Enfin, c'est pas du tout ça ma question. Enfin, j'ai juste mal formulé. C'est quand on meurt, on perd notre équipement soit endommagé, c'est ça ? Oui, une pièce de ton équipement au hasard est endommagée. Voilà. Mais c'est quand on est mort. Oui. Mais si tu es juste mis à terre, mais si on a été réanimé, si on a été réanimé, on la perd quand même. Oui, oui. En fait, ouais. tu la perds pas, c'est pas abîmé. Si tu es dans combattre pour survivre, t'arrives à te relever. Ouais, d'accord. C'est ça que je cherchais parce que. Mais une fois que t'as été mis KO, bah oui, c'est abîmé. D'accord. Du people. Ouais, là c'est la contre-attaque rageuse là. Rage, rage.